Le 5 décembre 2009, le Stade Malien réalise un véritable exploit au sein de la localité de Bamako. Notre club dispute face à l'entente de cette équipe d'Algérie finale de la Coupe de Confédération, une compétition opposant tous les clubs africains. Avec les 7 000 spectateurs en
on va pouvoir dégager le stade à 25 minutes. Et grâce à cette contrainte calculaire, ça donne. Le temps a pu être réduit jusqu'à 15 minutes. 15 minutes dans la main, on va pouvoir dégager le stade. On vide complètement. Le message, c'est de dire que la pauvreté ne doit pas briser la mission d'un peuple. Parce que quand on nous a désigné pour organiser ça, cet événement, tout le monde disait non, le Mali, mais il n'y a même pas d'argent, il n'y a pas de fonds, il y a tel ou tel problème, il n'y a pas de ressources, comment ils vont pouvoir faire. On a pu montrer que impossible n'est pas rien. C'est vraiment la fierté. Si on regarde les chiffres des 10 dernières années du Mali, les chiffres économiques des 10 dernières années du Mali, c'est pendant les travaux de la crise que le Mali a réalisé le plus fort taux de croissance économique. Ça veut dire que les travaux, les infrastructures, non seulement à lutter contre le chômage, mais ça permet d'injecter de l'argent dans l'économie du Mali. Ces investissements, à plusieurs regards, sont nécessaires pour le développement de jeunes nations comme le Mali, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons plus de 65% de notre population qui a moins de 35 ans. Population jeune dans un pays qui a investi dans l'industrie du football, mais aussi dans la formation. Durant les 15 dernières années, le Mali a connu un essor considérable dans ce domaine. Le premier centre de formation a vu le jour est le CSK, le centre Sambuskaita, créé par un ancien joueur en 1994. Hassan entraîne toutes les catégories, jusqu'au junior, depuis plus de 10 ans. À ce jour, il a formé plus de 1200 jeunes. Je suis dans le cas, je m'encourage. Une motivation à toute épreuve qui justifie un trajet de plus de 80 km pour venir au centre 3 fois par semaine. Depuis 2005, on est au club, on vient régulièrement à l'entraînement et avec toute cette distance, toute cette distance-là. L'enfant il tient toujours, à mon âge, je dis que ce n'est pas le choix, je suis obligé de l'accompagner parce que c'est qu'il faut. On dit au Mali que chaque parent souhaite que son fils soit meilleur que lui. En France, on souhaite que nos enfants soient meilleurs, que nos enfants aient une meilleure vie que nous. Donc mon souhait, c'est que tous les enfants qui courent après moi, des enfants qui vont à l'école, qui deviennent tous des vedettes, ils ne seront pas tous. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont en être. Dans l'avenir, je pense que le premier venir va avoir beaucoup de vedettes. Parce que les gens ont pris conscience de la valeur de la formation. C'est certainement quelque chose de très important. Quand vous voyez votre présent là, en ce moment là, il n'y a pas beaucoup de moyens.